tard du samedi 8 décembre sur TF1 avec la diffusion à 21h de l'étrange Noël de Jeff Panaclo. Le ventriloque est aussi marié, et jeune papa d'une petite fille. Dans l'étrange Noël de Jeff Panaclo diffusé le samedi 8 décembre à 21h sur TF1, le ventriloque et sa marionnette Jean-Marc reçoivent tous ceux qui comptent dans la variété française. Jeff Panaclo, de son vrai nom Damien Colpanap, et sa compagne Charlotte et de Hugo sont parents depuis le 15 février 2018, le jour où ils ont accueilli leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont prénommée Rose. Les fêtes vont prendre cette année une couleur particulière pour le couple, comme le ventriloque l'explique Bangala. Ça va être à la fois la première fois que je ne suis ni en tournée ni sur scène et le premier Noël avec ma fille. Même si je ne pense pas qu'elle se rende compte de grand chose, à son âge. Point après s'être dit oui à Paris lors d'un mariage civil célébré à Paris le 28 mai 2016, le couple s'est marié religieusement le 25 juin 2017 sous le soleil de Saint-Rémy de Provence. Dans Gala, Jeff Panaclo expliquait en 2015 « Ma vie sentimentale est plutôt stable, depuis longtemps. Si je suis un coureur non, ce n'est pas mon style. Dans le fond, je suis quelqu'un de sage, de posé, un bosseur. » Point le couple se connaît depuis plusieurs années déjà, et pour cause, la jeune maman était l'attachée de presse de Jeff Panaclo. Très amoureux, il prend toujours conseil auprès de sa femme pour ses projets, elle continue à m'épauler dans mon aventure artistique si je doute et m'aide à intégrer qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, avait-il confié à Paris Match.